Le débat sur le financement, il est déjà assez avancé. C'est-à-dire qu'il y a énormément de conférences qui traitent de ce sujet-là. Donc, c'est excellent que Locks for Ice Africa rejoigne le mouvement sur cette thématique cette année. Maintenant, je crois que Locks for Africa étant une conférence à la fois politique, mais aussi très pragmatique et tournée vers les solutions et la démonstration, il faut que le débat ne se limite pas à des échanges politiques et de requêtes et d'engagements, mais également se base sur l'action, les expériences inspirantes et de voir comment ces expériences inspirantes qui ont été développées dans certains contextes, sous quelles conditions elles peuvent être répliquées et adaptées dans d'autres contextes par d'autres collectivités locales. Et vraiment, je pense que travailler sous cet angle-là, avec le regard de l'expérience de Covenant of Mayors, de tout ce que fait Iklé Afrique sur ces sujets-là, il y a beaucoup de matière et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à aller dans ce sens.